Bonjour, je m'appelle Sad, je suis le chef cleaner sur la saison 3 de Wakfu. Alors le clean, c'est l'étape intermédiaire entre l'animation traditionnelle et l'animation flash. Alors en quoi ça consiste? On part de l'animation traditionnelle qui nous a été livrée par le département du Genga. Et à partir du Genga, on clean les éléments. Alors l'objectif, c'est d'avoir l'image la plus jolie possible à l'écran. Donc l'objectif, c'est de corriger les erreurs d'anatomie et surtout de ramener une plus-value au plan. L'objectif, c'est vraiment d'enrichir l'image un maximum. En fait, dans certains moments, les ombres viennent brouiller la lisibilité du plan. Donc soit on en retire, soit on en met. Tout dépend des cas. Là ici, j'ai ramené une petite lumière sur l'oreille. Techniquement, à part la partie dessin, il faut absolument que chaque partie soit découpée le plus net possible à chaque intersection des membres du personnage. Tout ça pour faciliter ensuite l'animation. Hop, voilà, le flasheur va pouvoir caler ses éléments et va pouvoir commencer à animer son personnage. Alors ici, sur ce plan, la difficulté particulière pour le cleaner, c'était d'amener des épaisseurs de traits, différentes épaisseurs de traits, selon le mouvement, pour apporter de la profondeur au personnage. Plus le personnage se rapproche de la caméra, plus le trait est épais. Plus il recule de la caméra, plus on revient à un trait constant. Ce qui nous donne ce résultat. Alors à cette étape, on a tout ce qu'il faut. On a un joli dessin, on a un joli trait, on a un plan qui techniquement est bien préparé. Là, le flasheur va pouvoir s'amuser. Eh bien, au revoir, c'est fini pour la partie clean. J'espère que vous aurez autant de plaisir à regarder la saison 3 de Wakfu qu'on en a eu, nous, à la faire.